Vous répondez quoi ? Soleil. Ça fait penser à la pizza ? Ça fait penser à l'Italie. À la Provence. Et je pense surtout, cette forme des oliviers qui est toujours très, très large, très généreuse et qui part sur le côté comme ça. C'est beau un olivier. Lesquels particulièrement, si vous avez une préférence ? Les vertes. Les olives noires. Les olives vertes, cassées. Les olives vertes, pimentées. En fait, j'aime bien les grosses olives noires, bien charnues, bien juteuses et tout. Là, ça ne me dérange pas d'enlever le noyau. Après, quand l'olive est plus sèche et qu'on doit enlever le noyau, là, ça m'ennuie un peu plus, en fait. Dénoyautées, les vertes plus, parce que, je sais pas, j'aime pas les noires. Hein. Les noires un peu séchées ou dans l'huile ou dans le sel, tout simplement, et le vert un peu plus mouillé. Je cherche des produits bio, mais rarement des olives bio, à vrai dire. Non, j'ai jamais essayé les olives bio. Oui, j'achète des olives bio. Après, c'est surtout au goût, je vois si vraiment il y a une différence ou pas. Et puis selon ce qui se présente à moi. Je mange à l'apéro chez des amis, ou dans des plats, ou déjà sous forme broyée, telle que tapenade ou autre. Je mange des olives en début de repas. Je peux manger un bocal d'olives, je l'avoue, en tant que repas. Dans un plat chaud ou dans un plat froid ? Je préfère dans un plat froid, moi. J'utilise pas beaucoup les olives en cuite en cuisine. Plutôt froid. Et une petite recette folle comme ça avec les olives ou l'huile d'olive ? Moi, je fais de la tapenade moi-même. Voilà, la tapenade d'olivet. Vous aimez les olives alors ? Oui, j'aime les olives. Ah, j'adore ça, oui. Et ma fille aussi, elle a une année, elle adore ça. Oui ? Oui, j'adore les olives. J'aime bien les olives, ouais.